Cecilia! Maman! Papa! Papa! Papa, s'il te plaît! Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, réveille-toi! Papa! Maman! Maman! Maman, s'il te plaît! Maman, je suis là! Maman, réveille-toi! Maman, s'il te plaît! Oh mon Dieu! Ah! Maman, s'il te plaît, réveille-toi! Maman, s'il te plaît. Papa Becky est là. Papa, papa, s'il te plaît. Papa. Allez, s'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît, allez. Au secours. Maman, maman. S'il vous plaît, aidez-moi. À l'aide. À l'aide. De sortir les larmes de crocodile. Dis-nous ce qui est arrivé à tes parents. Même ta sœur. Il n'y a plus de père et il n'y a plus de mère. Même ta sœur. Et pourquoi fais-tu semblant avec les larmes de crocodile? Hein? Hein? Je suis au avec ma sœur. Entre tout, on a trouvé le cousin de notre papa là-bas assis. Agouzé, tel que tu es là, tu veux nous dire que tu ne connais absolument rien à propos de la mort de tes parents? Nous ne sommes pas convaincus. Et comment ça alors? En tout cas, il n'y a rien au hasard. Et comment ça peut se passer comme ça? Comment est-ce qu'une femme et son mari peuvent mourir au même moment? Et il n'y a pas d'explication à ça. En tout cas, je ne dis la vérité. Et tu dois maintenant nous dire ce que nous devons savoir. Je ne connais absolument rien. Juste ma soeur était là quand elle est sortie. Elle trouvait la situation comme cela. Comprenez-vous? Si tu dis que tu ne connais absolument rien, c'est que tu mens. Et c'est clair que tu es en train de mentir. La vérité, c'est que les deux sont tous morts. Après, c'est ta sœur qui a rejoint. Et tu es là, tu dis que tu ne connais absolument rien. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Maintenant, le problème est que le couronnement est prévu pour le prochain jour du marché. Tu as juste, seulement comme ça, non. Tu dois vraiment nous aider. Qu'on essaye de régler tout ça. Bien, tout ce que tu as dit, c'est une farce. Du mensonge. Tu as bien préparé tout ceci. Tu penses qu'on ne le sait pas? Ceci est une situation d'urgence. Oui! Comment puis-je tuer mes parents? Nous ne savons rien, toi seul sais. Mais c'est à toi de te poser la question. C'est ça. Mais c'est très simple. Tu te poses la question, c'est à nous de te la poser. Si tu connais quelque chose, vas-y, dis-nous. Mais monsieur, je ne connais rien. Ma soeur et moi sommes clés dans cette affaire. Tu vois, attends qu'on te dise. Tu vois, dans des jours, si tu ne nous dis pas la vérité, tu verras ce qui va arriver. Oh oui. Agouzé, tu verras ce qui va t'arriver. Voilà. Hein? Tu penses que nous sommes des enfants à qui tu peux faire tout avaler? Je pense que nous t'avons déjà tout dit. Et nous devons maintenant partir. Oh non. Partons. Oui, partons. Partons. Le monde ne cessera de nous étonner. Ils pensent que nous sommes des enfants. Hein? À qui ils peuvent facilement mentir? Ce n'est pas vrai. Hein? Ça ne marchera pas. Ils doivent nous dire la vérité. Vous devez faire tout votre possible pour que les hommes viennent nombrer ici. Je me suis fait comprendre. Oui, maman. Vous êtes des jolies filles. Vous devez être attirante envers eux. Voyez comment vous êtes intelligente. Vous devez être attirante, toujours attirante envers eux. M'avez-vous compris?
Essayez de voir si vous pouvez les séduire. Ça, ce sont des affaires. Viens ici. Amanda, viens ici. Pourquoi tu es en train de gâcher mes affaires? Je suis désolée, madame. Pourquoi quand un client te remarque et toi, tu es très stricte? Pourquoi? Je suis désolée. Et s'il osait toucher tes derrière, toi, tu te fâches. Es-tu folle? Pourquoi ne lui as-tu pas montré que tu es avec lui, hein? Hein? Écoute, si seulement l'une de vous fait en sorte que je perds un de mes clients, vous n'allez pas m'apprécier. Vous ne m'apprécierez pas du tout. Ah ah! Quitte ici, va... Va servir. Vous aussi, quittez d'ici. Les clients. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été? Femme, ne vois-tu pas que je viens de rentrer? Hein? Laisse-moi libre. Je suis confiée avec tout ça. Ok, mon mari, je veux que tu te calmes. Calme-toi. Comment s'est passée la réunion? Peux-tu imaginer Agouzé en train de nier qu'il les a tués? Comment peut-il nier? Nous les connaissons assez bien. Mm-hmm. Et pour confronter la situation, nous sommes en train de chercher sa sœur. Hey. Il n'y a nulle part où nous puissions trouver sa sœur à ce moment. Quand les deux peuvent mourir le même jour? La même question que nous lui avons tous posée. Et l'autre là a disparu. Si tu es d'accord avec moi, tu as posé assez de questions. J'ai faim. Va me prendre à manger. Okay. Arrête de trop poser de questions. Ok, mon mari. Oh? Je viens avec. En tout cas, ce garçon ne cesse de nier. Hein? Ses deux parents sont tous morts. Tous morts le même jour. Hein? Comment peut-il continuer à nier pendant que sa sœur est introuvable en ce moment? Pourquoi est-ce que je suis le plus condamnable dans cette situation? Comment puis-je tuer mes propres parents? Et pourquoi est-ce qu'il fait chi a permis à ce que je puisse souffrir beaucoup comme ça? Est-ce qu'elle est vraiment morte? Mais si elle est réellement morte, pourquoi est-ce que son corps n'est pas retrouvé? Les dieux des maisons s'étrent. Venez en aide. Je vous en supplie. Les anciens, le temps ne va pas continuer à nous attendre. Je ne pense pas que c'est nécessaire de continuer de cette manière. Oui, exactement. Je suggère qu'on commence immédiatement. Mm-hmm. Tant que nous ne faisons rien, les mâles nous entourent et nous devons l'éviter sans effet. Essayons de parler de ces problèmes pendant que nous sommes tous réunis ici. C'est ça mon avis. Et on dit toujours qu'on va le faire quand il est chaud. Laissez-moi vous demander. Qu'allons-nous faire face à cette situation? Qu'allons-nous faire? Tchè, Iche, Ikele, Mounou. Lienou. Mounou. Ce genre de choses, ça ne s'est jamais fait sur notre terre. Jamais. Nous ne pouvons pas tous être assis ici et les permettre d'aller juste comme ça. Cette rétribution des crimes, de ce décrime, ça ne passera pas sous silence. Bon, doit vraiment être puni selon la loi de notre terre. Ça, c'est un très bon. N'est-ce pas ça? DJ, mais comment allons-nous savoir la personne qui est responsable à ce crime? N'est-ce pas ça? Comment peux-tu poser une telle question? Nous les savons tous. Comment? Nous les connaissons. Ne les connaissez-vous pas? Hein? C'est qui ces gens? Nous ne les savons pas. Mais c'est la famille d'Agouzé. N'avons-nous pas des yeux pour voir? C'est la famille d'Agouzé qui les a tués. Oh, c'est vrai. Oui? Regardez, je n'aime pas marcher avec les gens qui font semblant. C'est dans la famille d'Agouzé, c'est là que nous pouvons trouver les tueurs. Et c'est tout à fait clair.
Ndiche, regardez. Hein? Ne nous permettons pas de prendre de conclusions en ce moment. Ne nous permettons pas ça. Je l'ai personnellement trouvé difficile à croire. Kagouzé-tu ses propres parents. Non, ce n'est pas possible. C'est très facile, voilà que c'est arrivé. C'est arrivé. Pourquoi ne me demandes-tu pas plutôt pourquoi l'a-t-il fait? Ndiche, fais-tu le nom, non? Hein? Il a les yeux fixés sur le trône. Comme vous le voyez, il a deux ambitions. Il a l'ambition de devenir notre roi et aussi facilement. Si vous ne le voyez pas de cette manière, moi je le vois comme ça. Oh! Bien, mes anciens, ne restons pas ainsi et commençons à discuter l'un avec l'autre. Allons-y auprès du Ezemo, afin que le Dieu nous donne la vraie réponse. Je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui même. Je suis d'accord avec toi. Oui, allons-y. Je ne suis pas contre aller chez les Ezemo. Mais si je peux demander, partons maintenant. Maintenant. Allons-y chez les Ezemo maintenant. Oui, partons alors. Femme, où es-tu? Je vais chez les Ezemo maintenant. Les anciens ont demandé que nous allions chez les Ezemo. Bien rapidement, allons-y, allons-y. Oui, j'arrive. Les dieux sont silencieux. Vous voyez? Oh, oh là. Ezemo, que veux-tu dire? Comment est-ce que les dieux ne peuvent rien dire? Ces choses ne sont jamais arrivées dans notre terre. Exactement. Et maintenant, tu dis que les dieux n'ont rien dit. S'il te plaît, dis-leur de dire quelque chose. S'il vous plaît. S'il te plaît. Si vous savez comment faire mieux, vous devez prendre sa place. Je peux même vous aider à prendre la place du Ezemo. Hein? Mais s'il est en train de faire la bonne chose, soutenons-les. Oh non. Hein? Au lieu de faire du bruit à tout moment, comme si ce que vous dites est assez utile. Oh non. Hein? Oh non. La situation que nous avons maintenant là nous préoccupe beaucoup. Les dieux doivent parler. Ils doivent, bien sûr, mais... Oh non, les anciens, tel que je vous ai dit, les dieux sont silencieux et je n'ai rien d'autre à faire ou à dire jusqu'à ce qu'ils diront quelque chose. Oui, bien sûr. Attendons que le dieu parle au bon moment. Ce que nous devons faire maintenant, c'est prier jusqu'à ce qu'il réponde. Je ne veux pas exprimer mes suspicions face à cette situation. S'il te plaît, le dieu savent tout, le dieu peuvent tout dire. Dis-leur de nous parler. La situation est vraiment précaire. Mais comment sensible. Le dieu doit parler ou supplier. Ils doivent parler. S'il vous plaît, attendons, patientons. Allô, bébé? Non, j'arrive. Tu sais, je ne peux pas te laisser voir. Quand est-ce que nous allons nous voir encore? Ok, j'attendrai ton signal. D'accord, c'est bon, il n'y a pas de problème. D'accord, prends soin de toi. Salut les filles. Là, je vais sortir. Vous allez m'attendre jusqu'à mon retour et personne ne peut me demander où est-ce que je vais. La fille dangereuse, rentrez vite pour préparer. Bien sûr, je le ferai. Ne t'inquiète pas pour ça. Reviens juste à temps et prends bien soin de toi. Ok. Ma belle, je pars dans ma chambre pour arranger mes histoires. Je vais retourner après. Ok, d'accord. Oui. Tu as cru que tu es intelligente. Maman, tu es là? Je suis au marché. Tu penses que tu vas jouer avec mon intelligence? Non, maman, non. Donne-moi l'argent qu'il t'a donné. Quoi, l'argent? Il ne m'a pas donné l'argent. Donne-moi l'argent! Maman, je n'ai pas d'argent, je te dis. Il ne m'a pas donné l'argent. Juste le travail que je t'ai venu faire.
Tu sais combien je hais me répéter. Oh maman, il ne m'a pas donné l'argent. Rends-moi ce sac. Maman, il ne m'a pas donné l'argent. Donne-le-moi. Qu'est-ce que je vais faire? Voici pour vous une information. Les anciens vous ont lancé une invitation à un rassemblement au coin du village. Que ce soit papa, maman ou enfant, nous sommes tous invités au rassemblement au coin du village au nord, Caribeyao. Mon ami. Hein? Mon ami. Mon pote, tu as entendu ce qu'il a dit? Que viens-tu de dire? Tu étais là. Je dis qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu as vu double. Tu as deux yeux ou un œil. Ok, je crois que tu as quatre yeux. Et tu ne sais pas, tu as vu un homme. Si je te dis de prendre un peu de l'alcool pourvu que tes sens deviennent normal et calme. Non, mais s'il te plaît. Regarde, toi. Tu as les yeux d'ivrogne et caché dans la paupière. C'est ça. Si tu apportes ce genre de yeux flou au terrain, on va te chasser. On va te chasser. Tu ne m'accordes pas de respect, toi. Quitte-la. Tu ne m'accordes pas de respect. Après tout. Ils ne savent pas. Pour ce village. Ils ne savent pas. J'aime ça. Même si nous demandons à tout le membres de ce village, ils disent que tu n'as pas le niveau. Ton niveau est inférieur. Nous avons des tâches à faire dans ce village. Tu n'as rien. Tu dois prendre à me respecter. Tu as un niveau inférieur. Si je parle, si c'est pas, tu vois flou. Je vais te taper. Tout ce que tu as, c'est flou. Très flou. Il disait, je descends ton niveau pour que tu comprennes. Il avait dit, nous serons ensemble. Tu continues encore à avoir flou. Mais j'ai pitié de toi parce que tu es mon ami. Je vais seulement te dire. Il avait dit nous serons ensemble à la place publique du village. Pour que. C'était une personne qui le disait. Parce que. Je ne sais pas pourquoi il disait que nous sommes là, mais je sais qu'il va nous inviter une personne importante pour nous parler. Une personne importante. Est-ce que tu connais réellement celui que l'on va sacrifier si cela concerne du sang humain à la fois? Tu as raison, mon frère. Allons-y. Ce n'était pas pour ce village. Nous avons un niveau maintenant, non? Nous avons un niveau. Oui. Mais ne joue pas avec moi. Ils sont déjà là, mon frère. Nous sommes tous présents. Hey! Ici. Hey! De l'autre côté. Hey! Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi nous sommes réunis ici. Je crois que... nous savons tout ce qui se passe dans ce village. Et il est toujours mieux de réunir tout le village. Nous essayons d'avaler l'os qui nous est mis dans la gorge par nos ennemis. Il est temps de faire l'essentiel. Où se trouve Agouzé? Est-il là? Oui, Agouzé est là. S'il te plaît, Agouzé, avance un tout petit peu. S'il te plaît, avance un tout petit peu. Tout notre peuple. Hey! J'ai besoin d'entendre tout le monde. Hey! Agouzé. Ce que nous te demandons de faire est très simple. Écoute. Dis-nous tous maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé à tes parents et à ta sœur? Tes parents et ta sœur. Hey, mon Dieu, Arrête de et faire pourquoi semblant. Pourquoi es-tu en train de faire semblant? Arrête de faire semblant comme si tu ne savais rien. Hein? Comme tu nous vois tous là, nous sommes tous au courant. Pourquoi es-tu en train de faire semblant? Agouzé, dis-nous, qu'est-ce qui est arrivé à tes parents et à ta sœur? Ok. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mes parents. Je n'ai pas non plus une mainmise dans leur mort. Je ne sais pas non plus, je n'ai rien du tout sur la disparition de ma sœur. Omar Akakwen, yo, Newen.
accusé. Alors, dis-nous, qui les avait tués? Sais-tu que jusque maintenant, les dieux n'ont rien dit? Hein? Et ça nous surprend. Ah, ah! Dis-nous la vérité pour trouver la solution à ces problèmes. Ah ah! Allez, sommes-nous tous présents? Ici! Ici! De l'autre côté! Écoutez-moi bien. Il n'y a pas du temps à perdre. Il n'y a pas du temps. Nous devons statuer sur les règles. Les règles du conseil entre le grand prêtre et les autres anciens. Une ligne pour nos traditions et coutumes. Ou c'est là qui commet l'abomination. Accusé, quelques années avant nous, la sentence était l'excommunion de notre Dieu. Accusé, il ne va pas vendre. Il ne va pas acheter. De chez n'importe qui. Il ne va même pas partager ses objets avec quelqu'un d'autre. Et celui qui ose aller contre ces règles, cette loi lui frappera sérieusement. Oh oui! Et la sentence, c'est devenir un paria sur cette terre. Étranger. Vous, ses amis, je crois que vous avez très bien entendu. Osez, qu'on vous voie encore à ses côtés. Oh non, je crois que tout a déjà été dit. Et maintenant, allons-y. Il ne mérite plus. Il ne mérite plus d'être membre de cette terre. Nous devons maintenant partir. Partons. Partons, partons. Grand frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est comme ça? Dis-moi quelque chose. Amaka, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, dis quelque chose. Tout le monde dans ces villages croit que Agu, mon ami, est celui qui a assassiné sa propre sœur et ses parents. Mais pourquoi ils disent ainsi? Pourquoi ils disent ça? Fetch aussi est mort. Ferme-moi ta bouche là. Quelque chose en moi me dit qu'elle n'est pas morte. Si vraiment elle était morte, on allait voir son cadavre. Je suis si confus. Que disent les aînés à propos de ça? Qu'est-ce qu'ils font pour ça? Dis-moi. Mais j'ai été surpris de leur jugement. Ils ont déclaré à Gouz et mon ami un paria. Hey! Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont un tel jugement? Et pourquoi les dieux restent silencieux? Pourquoi? Amaka, je suis perdu. Je ne sais pas quoi dire. J'ai vraiment pitié de lui. Seul le dieu sait ce qu'il endure actuellement. Je me sens aussi mal pour lui. Agouze est mon ami. Un très bon ami. Ce n'est pas du tout gentil. C'est vrai, c'est pas juste. C'est pas juste. Vraiment. Laisse-moi chercher quelque chose pour toi, pour que tu me... C'est bon alors. Jay, je pense qu'il est vraiment perturbé. Le prince de notre royaume. Je souhaite l'aider, mais les anciens vont m'en vouloir pour ça. Si je rentrais à la maison, je vais en parler avec mon frère. Je pense qu'il trouvera une solution pour l'aider. Grand frère, tu sais qui j'ai vu? Je vis ton ami Agu. Il était très inquiet. J'ai vraiment eu pitié de lui. C'est ce que moi j'ai ressenti. Agouzé. Que pouvons-nous faire pour l'aider? Je sais qu'il doit avoir énormément faim maintenant. Et d'ailleurs, il ne va plus à la ferme. Je sais qu'il doit avoir énormément faim.
Et que penses-tu si tu allais chez lui cette nuit? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je vais préparer quelque chose. Adizé, il ne va plus à la ferme. À cet instant, il a besoin de moi. C'est vraiment ça. Je pars préparer quelque chose. Ok. Agouzé. Personne ne croit à Agouzé dans cette communauté. Bon après-midi. Amanda, Amanda. Tu es tellement belle. Vraiment, j'aime ce que je Merci, vois. Monsieur. Chai. Amanda, Amanda. Vraiment, ça c'est bien. Mon client. Madame Lucie, Lucie. Mon client. Madame Lucie, ah. Femme d'affaires. Oui, oh, tu peux le dire encore une fois. Je remarquais la façon dont tu regardais ma fille. Tu regardais ses derrières. Madame Lucie, hein? Tu sais qu'elle est très belle. Elle porte la charge. Elle porte Je vraiment sais. La charge. C'est vrai? Mais c'est vrai. Elle en a. Elle a vraiment un gros bassin. Tu sais que tu peux vraiment la voir. Tu sais la façon dont elle te sert ici. Hein? Oui. Elle peut aussi te servir là-bas, non? Je peux confirmer que je l'aime et j'ai besoin d'elle. Mais je ne sais pas si elle va m'accepter. Est-ce qu'elle a le choix? Tu es sérieuse? Elle n'a pas le choix. Peu importe les décisions que moi je prends, c'est ce qui reste. Ah, Madame oui, Lucie, Lucie. Ça, c'est moi. Es-tu sérieuse? Mais le problème, il faut payer. Et Madame Lucie ne parle pas ce qui concerne l'argent. L'argent n'a pas de problème. Tu sais, non? Comme on a toujours dit, l'argent à la main. Le corps m'appartient. C'est bien Mais ça. Mais oui, je sais comment ça fonctionne. Ne t'en fais pas, je te verrai avant de partir. L'argent n'a pas de problème. T'es mon client, on va arranger. Ça a été toujours comme ça, je sais. Tu as de belles filles. Merci. Oh, tu Mais c'est ça, non? Tu es une femme d'affaires. Madame Lucie. Ah, elle n'a pas ouvert ça. Non, elle ne l'a pas fait. Tu l'as embrayé. Laisse-moi partir. Elle a demandé de C'est venir bien. Ouvrir. Madame Lucie, Lucie. Ah, ah. Bonjour, monsieur. J'espère que la boisson... Oui, je suis en train de prendre ma bière. Amanda, Amanda. Monsieur. Tu es vraiment une belle fille. C'est vrai, J'aime ça. Ce que je vois. J'aime cet ange. Ça te plaît? J'aime ce que je vois. Cela se passera comment? Ça, ce n'est pas un problème. Mais tu dois parler d'abord. Ah. Oui. Es-tu sûr? Oui, Chai, Amanda, Amanda. Tu as une très belle taille. C'est la taille préférée. Oui. Amanda, Amanda. Monsieur. Ne t'inquiète pas, je te verrai après. Ok, monsieur. Chai, Amanda, Amanda. Tu es une belle créature. Rassure-toi que personne ne te voit. Ne permets à personne de te voir. Tu dois être rapide okay, et bon. Reviens ici Je immédiatement. Amaka? Oui, je suis là. Ah, c'est très dangereux que tu sois venue ici. Non, 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 non. J'étais vraiment prudente, ok? Il n'y a personne qui m'a vu entrer ici. Mon frère m'a envoyé vers toi pour te donner à manger. Merci. Est-ce que tu t'es lavé? Oui, j'ai utilisé ce que m'est resté. J'irai prendre okay. après. Ne t'en fais pas, ne te dérange pas. Je vais t'épouser de l'eau demain, ok? D'accord. Okay, que le Dieu de notre Père puisse te bénir. Hein? Je viendrai te voir de temps en temps, ok? Prends soin de toi. Mon fils, c'est la situation que nous avons trouvée là-bas. Une atmosphère de moquerie. Une atmosphère qui sent mauvais.
Tchai, papa? Hein? C'est dommage. Vraiment? Comment vraiment Agus peut être si méchant? Comment Agus peut être si méchant pour parvenir à tuer ses parents et sa sœur? Nous tous, on ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a gagné? Ce n'est pas du tout bien, papa. Ce n'est pas vraiment du tout bien. C'est tellement mauvais. C'est très mauvais. Ça ne se fait pas. Inimaginable. Quelle méchanceté! Ce n'est pas du tout bien. Après avoir tué tes parents, tu as encore suivi ta sœur. Il y a beaucoup de choses qui plaisent aux yeux. Vous avez raison. En tout cas, tous ces problèmes demandent une enquête approfondie. Je ne suis pas content de laisser de cette manière. Abomination. Oui, c'est bien que nous avons déjà organisé un bannissement. Comme ça, c'est bien. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Il y a quelque chose qui va mal quelque part. La raison pour laquelle nous devons encore mieux enquêter, c'est pour que nous évitions que la situation se répète dans le futur. Vraiment, il mérite ce qu'il a eu, papa. Il le mérite. Il le mérite, papa. Hey! Ah oui, mais... Pourquoi être si méchant jusqu'à je tel point de tuer même ses parents? Vous le verrez aller à l'étranger et au retour apporter beaucoup de choses. Comment est-ce qu'un enfant peut tuer ses propres parents? Et il est allé jusque chez sa sœur. Papa... Ce n'est pas vrai. C'est incroyable. Hein? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ça. Non, mais dites-moi, comment est-ce qu'un enfant peut se permettre de tuer ses parents? Hein? Papa. Je vais faire un peu un tour dans ce village. Je reviens bientôt. Et mon fils, sois prudent. C'est ça. Sois éveillé. Je le serai. Les gens sont terribles et méchants. Et surveille toujours tes arrières. Je commencerai à regarder de gauche à droite. En tout cas, il ne faut faire confiance à personne. Si on ne peut plus faire confiance à son propre sang, tu ne dois pas te faire d'amis. Je ne veux pas que tu ailles écouter n'importe quoi. Regarde comment il est en train de dormir. Lève-toi comme ça. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a comme ça? Pendant que tu es en train de dormir, il y a d'autres qui sont en train de chercher à collecter de l'argent de l'autre côté. C'est clair que vous n'êtes qu'une bande de stupides. Tu es plus stupide que nous. En quoi tu n'es pas venu avec une bonne somme? Ils sont en train de partager l'argent. Combien et tu es ici. En train de partager? Si c'est ta question, tu me poses la question d'examen. Hein? Partons prendre notre part là-bas. Ne voyez-vous pas que vous êtes assez vieux pour ce genre de bêtises? Et c'est pourquoi vous êtes venu me déranger? Donc, tu veux dire que ce n'est pas une bonne raison? Juste parce qu'il partage un peu d'argent? Regarde, je n'aime pas... Deux grands, deux adultes comme vous, mes chers. Juste parce qu'il partage un peu d'argent. C'est pourquoi vous êtes venu me déranger? Ne t'en fais pas, c'est une erreur. Ce type va mourir pauvre. Combien est-il en train de donner? Mon cher, laisse-lui partons. Partons prendre notre part. On s'en va. Non, venez, attendez, revenez. Tu penses seulement qu'on s'aventurait avec nous? Donc, ils sont juste venus me déranger, juste à cause de l'argent. Voilà un peu ces adultes. Même pas où. Je sais que c'est mon frère. Chemin. On se verra après, non? Moi, je pars par ces chemins. Depuis que tu as commencé à prendre ces chemins, c'est la route de chez toi. Attends. Mais caches-tu quelque chose? Même pas. Tu es ma copine. Tu connais cette vieille dame-là? Qui habite au coin du village? De quelle vieille dame que tu parles? Moi, non. Celle qui avait connu un accident avant-hier. Oui, je la connais. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire avec la question que je t'ai posée? Je pars hein, chez elle. Je l'amène cette heure et puis je vais l'aider avec quelques travaux. T'en fais pas, je vais te voir après. Waouh! Incroyable, vraiment. Thank you.
C'est qui ça? Et que fais-tu à cet instant de la nuit? Et qui t'a demandé de venir ici? Hein? Je t'en supplie, va-t'en, quitte ici. Je ne veux pas qu'on vienne te trouver à cet endroit. S'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît. Je sais que tu ne vas pas me croire. Mais la vérité est que... je n'ai pas où partir. Je suis fatiguée de tourner, cherchant où rester. Je ne sais pas quoi faire pour toi. Si je te permettais d'entrer, je quitterais ces boulots. On me demandera de partir. Si mon boss me voyait, il va me dire de quitter. Je t'en supplie, s'il te plaît, va-t'en. Va-t'en. Permets-moi de passer juste une nuit, s'il te plaît. Et demain matin, je vais continuer mon voyage, je t'en prie. Oui. Tu as dit que je t'accorde. Juste une nuit. Demain matin, je veux partir. Et que demain, très tôt matin, tu t'en iras? Tu es sûre que tu t'en iras? Juste ça. Et que tu ne me causeras aucun problème? Oui. Hey! Attends d'abord que je revienne. Si seulement je te dis entre, c'est en ce moment que tu pourras entrer. Est-ce que tu m'as entendu? Merci. Parti. On s'était convenu que très tôt matin tu allais partir. Ce n'était pas ça? Je voulais juste t'aider en balayant la parcelle pour que ça ne pèse pas sur toi. Toi m'aider? Tu penses que j'ai besoin que tu m'aides? Je t'en supplie. Regarde, si c'est moi j'ouvrais mes yeux, je ne vais pas te voir là devant. Je veux que tu partes. À l'intérieur? Où? Attends. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Madame, s'il vous plaît, j'ai non, peur, non. Attends une minute. Ne me dis pas que tu as engagé quelqu'un dans ma parcelle, sans pour autant que je ne le sache. Madame, je vous en supplie, je peux m'expliquer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame, c'était de ma faute. Je vais vous expliquer. Quelle explication as-tu à me donner? Tu es déjà dans ma parcelle. Avec les balais à la main, en train de balayer. Attends un peu. Combien de temps a-t-elle dormi dans ma parcelle? Oui, madame. Non, madame. Madame, je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous en supplie, madame. Vous savez que je ne peux pas vous mentir. Si c'est moi, j'ai menté, que la foudre s'abatte sur moi. Et que tout mon village brûle. Tu peux la fermer? Allez-toi, sors d'ici. Hey! Ah, ça c'est quelle bêtise ça! Si seulement ça s'est reproduit encore, tu vas perdre ton travail. S'il vous plaît, maman. Va à ton poste de malheur. Oui, maman. Excuse-moi. Ramasse-moi ça. Ah, ah. C'est quoi cette affaire? Madame, s'il vous plaît, je suis prête à tout faire pour vous. Je peux tout faire pour vous. Après avoir écouté ton histoire, je suis choquée. Je décidais de t'offrir un boulot. Ah! Oh mon Dieu! Madame, merci. Merci énormément. Oh, oh. Merci. Ça va, c'est fini. Je promets de travailler très durement. Je le ferai. Oh, merci. C'est bon. Je vais t'amener dans ta chambre, ok? Merci. Et...
Ichaka. Mm-hmm. Tu sais, j'étais allé dans la maison de Mazerogu. Son fils, Akuada, il est revenu avec beaucoup de bonnes choses pour tous les membres du village. Je n'étais pas là, mais ma femme et mes enfants étaient tous... Et tu sais quoi? Ils sont revenus avec beaucoup de choses. Les chaussures, les habits, beaucoup de choses venant de cet étranger. Et cet homme-là sera un très bon homme pour nous. J'ai beaucoup pensé. Tu sais que c'est Aguada. Est une très bonne personne. Il est bien éduqué. Et il est un homme riche. D'ailleurs, je lui fais confiance. Je sais qu'il peut faire mieux. Tu sais quoi? La fois passée, et j'étais vraiment embrouillé. Je ne pouvais pas dormir. J'étais vraiment en train de réfléchir. Et tu sais que si Akumurata devenait le roi de cette communauté, laisse-moi te dire qu'on sera sauvé. On sera vraiment sauvé. Il va vraiment construire des grandes choses. Il va donner à nos fils des bourses. En fait, il sera le meilleur roi. Maintenant, tu es d'accord? Non, mais je te dis... Tu as rejoint mon camp. Hein? Lors de la prochaine réunion, nous devons ramener ce sujet afin que nous discutions sur ça. Idiot. Il sera le prochain roi. Idiot. Hein? Nous devons faire ça. Parce que je crois que tu sais déjà comment ça se c'est passe. C'est exactement tout ça. Oui, c'est ça, bien c'est sûr. C'est exactement ça. Idiot, nous te saluons. Merci. Nous sommes venus chez toi pour discuter un tout petit peu. Idiot, tu sais que nous avons passé beaucoup de mois sans avoir un roi. Cette communauté a besoin d'un nouveau roi. Nous ne pouvons pas rester sans roi. Ichi, si je peux ajouter un tout petit peu à ça, Ichi. Nous avions beaucoup pensé à propos de ces postes vacants. Nous devons occuper ce trône maintenant par quelqu'un qui est sage. Quelqu'un qui a de l'expérience et très bien éduqué. C'est aussi important, quelqu'un qui porte ce village dans son cœur. Nous sommes allés chercher par-ci, par-là, Idjie. Nous sommes allés partout, dans tout le coin de ce village. Mais la lumière ne fait que tomber sur ta maison, Idjie. Dans ta maison familiale, tout ce que nous recherchons se trouve ici. Oh non, vous m'aviez convaincu. Mais comment Idjie, dans ma maison? Il n'y a aucune autre personne. Si ce n'est que ton fils, Akuata. Au moins, il s'est encore marié à une... très très belle femme. J'allais dire, quand elle se tient debout, à côté du Igwe, lorsque ton fils deviendra le Igwe, nous serons fiers de notre Igwe et sa femme aussi. Tu vois, c'est de ça que nous sommes venus. Donc, parler. Vos yeux sont tombés sur ma famille. Oh non, c'est bon. Qui s'est marié? Il s'est marié à qui? À sa femme, elle est belle. Et tiens, nous parlons de cette communauté. Vous êtes bien amusant. Vous êtes tous deux amusants. Vous êtes tous deux amusants. Oui. Ok. Je ne vois rien de mal dans votre opinion. Ok. Je parlerai avec mon fils. Et une chose que je peux vous assurer, c'est que je vais essayer de le convaincre afin de prendre ce trône. Comme vous l'aviez dit, qu'il a une femme très bien éduquée. Vous savez que ces derniers, quand les gens deviennent igwe ou aisés, ils s'assurent qu'ils ont des très bonnes femmes. Oui. Alors s'il y a aussi une tâche qu'il faut aussi pourvoir, il faut qu'il y ait une personne qui soit la voix des femmes. En tout cas, c'est ce que nous sommes la voix des femmes. Oui, c'est vrai. J'aime aussi le fait qu'elle est vraiment élégante. Elle est vraiment élégante. Elle est élégante. Je vais tout faire pour faire accepter mon fils de prendre ce trône et de prendre aussi cette femme comme épouse. C'est ce que vous devez faire maintenant. C'est de prendre les opinions de tous les anciens dans toute la communauté. Oui. Pour voir si le raisonnement est le même. Et une fois que c'est le même, pourquoi ne pas convaincre mon fils d'arrêter de faire ce qu'il fait afin de servir toute cette communauté? Tu sais, Ichi, nous sommes venus comme des hommes, afin de dire, lorsque nous allons venir, prends bien soin de vous. Oui, est-ce que tout le monde, aujourd'hui, accepter ça d'abord? Non, c'est bon déjà, c'est bon. Si seulement je savais que vous alliez venir,
J'allais prévoir mieux que ces noix de cola, mais aujourd'hui, prenez-les quand même. Je crois aussi que vous savez ce que nous allons faire. Il est important que parlez avec les autres aussi. Hein? Oui, merci. Moi aussi, j'essaie de convaincre mon fils. Oui, merci. Mais je sais que tout s'est passé déjà. Merci. Okay? Oui, tout va bien. C'est juste que je me sens comme l'homme le plus heureux de la terre. Naïo. Voir mon fils qui a une très belle femme. Vraiment. La communauté nous a d'une manière ou d'une autre annoncé que nous sommes une famille spéciale. Hein? Oui. Vous savez tous que nous sommes en train de chercher un nouveau roi. Et les anciens ont décidé que le roi doit sortir de ma famille. Oui. Et au nom de mon fils, Akuwata. Donc je serai la mère d'un roi. Alors, hein? j'ai apporté cette petite bouteille pour la célébration de cette annonce. Je ne savais pas que la communauté nous préférait autant comme ça. Hey. Alors, Akuwata, ils ont dit que c'est toi qui dois devenir le nouveau roi de notre communauté. Et que peux-tu dire par rapport à ça? Papa, je vis le champagne. Je l'ai vu et je sais que vous célébrez. Oui. Oui. Mais papa, c'est une bonne nouvelle. Oui, la façon dont vous agitez. Oui. Je suis très content pour ça. Mais papa, sache que ce n'est pas ça la raison avec laquelle je suis venu. Je vais dire que c'est inacceptable. Je ne l'accepte pas. Je ne peux pas accepter. Attends. Ah. Que veux-tu dire? Ne déçois pas ta communauté qui a placé sa confiance en toi. Tu peux imaginer. Regarde-moi cette déception. Ce n'est pas ça. Regarde-moi ta femme. Hein? Actuellement, ce que les gens veulent dans la communauté, c'est que le roi parte et que la reine suive. Hein? Et ça doit être différent. Hein? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Voilà que tu as une chance. On t'a choisi comme le roi, ne la détruis pas. Comment vas-tu? C'est toi qui as tout nettoyé comme ça. Oui, ça va. Écoute-moi, Oko. Hein? J'ai une question à te demander. Tu veux me poser des questions? S'il te plaît. Que ce ne soit pas des questions compliquées, sinon je ne saurais pas. Et alors à propos du mari de madame et ses enfants? Hey! C'était ça la question? Je ne sais même pas par où commencer. Et je ne sais même pas quoi dire. Mais je peux juste dire un tout petit peu haut. Le patron était tombé malade il y a quelques années passées. Et puis il était mort. Il n'y a que madame qui est dans cette maison. Tout le monde dit que le patron était très méchant. Il vivait avec 5 femmes. Et madame avait pris cette parcelle après sa mort. Elle a aussi d'autres investissements à Abuja. C'est comme ça qu'elle est devenue ce qu'elle est. Elle a aussi beaucoup de terres lui appartenant. Ma prière de tout le jour, c'est qu'un jour, elle accepte de me donner, ne serait-ce qu'une parcelle. Mais je te dis, hein, ce n'est pas du tout facile. Hein? Hey, es-tu sérieux? Madame a beaucoup d'argent. Vraiment. Crois-moi, tout ce que je te dis, c'est la vérité. Madame a beaucoup d'argent. Otto, j'ai compris que c'est la nourriture que tu demandes. Oh. Là, tu as très faim. Hein? Quand est-ce que tu vas me l'emmener? Va d'abord là-bas, non? D'accord, je m'en vais. Laisse-moi d'abord terminer, mais je viens te donner. Tu vas m'amener à manger. Hein? J'attends. Hein? Madame, je finis de dresser les lits. Vous pouvez aller dormir. Ok, merci.
Viens. Hé, hey, madame, s'il vous plaît, ne me chassez pas. Ne me chassez pas. Non. Tu n'as rien fait de mal. Assieds-toi. Merci, madame. Il y a des choses importantes. Je voudrais qu'on en parle. J'ai réfléchi sur ça et j'ai conclu. Voilà pourquoi je veux te le dire. Tu m'as prouvé que tu es une bonne fille et je sais pas si tu voudrais que je t'adopte comme ma fille. Oh oui, maman, oui, je le veux, oui, je le veux. Comme tu as sauté de joie, je devine que c'était oui. Merci, madame. Ok, tu sais, je perdis mon mari, tous les enfants que j'avais l'année passée. Et pendant ce temps, j'étais incomplète. Jusqu'à ce que tu viennes dans ma vie. Tu as prouvé que tu es une bonne fille. Tu m'as apporté énormément de la joie et la lumière. Et laisse-moi te demander si tu aimerais que je devienne ta mère. Oui. C'est bon. Oui, maman. Êtes-vous sûre de ça? Oui. Mon avocat viendra demain matin. Et par là, tu vas signer les documents nécessaires. Waouh! Waouh! Ah! Je suis tellement contente, maman. Merci beaucoup. Je suis très contente. Merci, vraiment. Merci. Merci. Merci à toi aussi. Merci. Chioma, pourquoi tu traînes les pas comme ça? Je te l'avais très bien dit que je dois préparer avant que ma maman soit de retour. Ma belle, je suis fatiguée. Tu peux marcher, je suis derrière toi. Tu fatigues là sans devenir suspect. On dirait qu'il y a anguille sur roche. Que veux-tu dire? Que veux-tu insinuer? Arrête tes histoires. Écoute, en tout cas, je n'ai rien dit. Mais ça finira par se savoir. Pardon, allons-y, arrête de te préparer. Ok. Je suis désolée, Prends ces sachets. Et à toi à l'intérieur pour que tu prépares, ok? Ah, tout ceci? Oui, à manger. Tout ce dont tu auras besoin pour préparer à l'intérieur, ok? Je rentre très vite, on se revoit après. Hé, maman, as-tu parlé à ton mari au sujet du trône? Maman, j'avais vraiment fait de mon mieux pour lui parler à propos de ça. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Mais pour le moment, je suis fatiguée. Aïe! Ce garçon ne va pas me tuer. Il doit accepter le trône qu'il le veuille ou non. Parce que je suis impatiente de devenir la mère du roi. Il doit l'accepter. Il est faux. Mon mari est vraiment ensorcelé, je vous dis. Oui, maman. Je ne sais plus quoi faire vraiment, je ne sais pas. Je crois juste et je prie Dieu, c'est mort pour lui. Vraiment. Il va accepter. Tu sais, il est tellement têtu comme son père. Tu sais, je ne parle pas. Je suis là tranquille. Maman, parce qu'on ne peut pas laisser cette opportunité nous passer seulement comme ça, non. Oh, ça ne va pas nous échapper. Aie confiance à ta belle-mère.
Je ferai de mon mieux pour qu'il l'accepte. Il va l'accepter. Tu seras ma reine. Tu seras ma reine, tu le sais. Il va l'accepter. Il va l'accepter. Juste pour que tu aies confiance en ta belle-mère. Il va l'accepter. Je vous fais confiance. Maman? Oui, mon fils. Je partage votre opinion. Comme tu me vois. Je l'ai dit. Et maman, laisse-moi te dire. Vas-y. J'ai décidé d'accéder à ce trône, maman. Que le Dieu de mes ancêtres soit loué. Oui, il sait. Je suis tellement, tellement heureuse. Mon fils. J'accepte. C'est vrai ça? J'accepte. Ça, c'est ce que je voulais entendre. Tu sais, mon oreille est tellement ouverte avec ce que tu viens de dire. Maintenant, là, je pars dire à ton père. Et ton père ira dire aux anciens pour qu'ils sachent quand te couronner. Je l'ai décidé, j'accepte. Je te dis. Donc je suis maintenant la maman du roi. Oh mon Dieu, ça c'est ce que je voulais. Hey, Obiano, mon fils le roi. Oui. C'est une bonne nouvelle. Oui, maman. C'est vrai, je suis la mère du roi. Ah, je lui dirai. Tu es fâchée contre moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma chère? Quoi? Je suis désolée, c'est pour ce qui s'est passé. Je suis désolée alors, désolée. Je suis désolée, non, Duni, mon ami. Désolée. Tu ne vas plus les faire. Je te promets. Tu me promets. Je promets. Ok. Ma copine. Tout le monde ici présent, est-ce que vous m'entendez? J'ai dit tout le monde ici présent, est-ce que vous m'entendez? Je suis venu pour vous annoncer que mon fils Akwanta a accepté. Il a accepté d'être le roi de notre royaume. C'est ça être un homme, il faut ça. Un homme c'est comme ça, il faut toujours se décider. C'est une bonne nouvelle. Ça c'est bien ça, il a bien fait. C'est une très bonne nouvelle. Le chef Martin vit au numéro 13 avenue Aouzé, bloc 6. Je veux que tu ailles là-bas et que tu lui fasses plaisir. Il te donnera un mot de passe, tu me l'amènes. Ok, madame, je ferai ce que tu as dit. Ok. Rappelle-toi, comme je l'ai dit, ce mot de passe-là est très important pour moi. Ne permets pas qu'il te touche sans t'avoir donné le mot de passe. Ok, madame. Mais, madame, j'espère que sa femme n'est pas aux environs, parce que je ne veux pas de problème. Je ne veux pas que quelqu'un me casse la figure. Tu peux la fermer? Ferme-moi cette bouche. Qui es-tu pour me poser des questions? Ton boulot est que tu ailles là-bas les réjouir. Et tu me ramènes les mots de passe, tu n'as pas posé des questions. Désolé, maman. Il y a qui l'auteur du drame qui connaît sa capacité. Vas-y. Oulo, reviens. Il faut t'échanger. Mais quelque chose de très sexy. Ok? C'est bon. Linda, je disais que notre madame ici n'est pas vraiment très gentille. Est-ce que tu as constaté ces incompréhensions? Elle ne fait que dire des choses qui n'ont pas de sens. Peux-tu imaginer qu'un client est venu ici demander ma mère en mariage et elle est contre ça? Tu es sérieuse? Oui. Cet homme est très méchant et je m'en prendrai à elle. En finir avec lui. Comment penses-tu les faire? Je veux détruire son business et ouvrir le mien. Tu es vraiment sûre? Tu m'as bien compris. Ne le dis à personne. Ok. Alors, sans danger. Tu es déjà prête pour le faire? Je m'en prendrai à elle. Ne le raconte à personne, s'il te plaît. Akouzé. Non. En tout cas, je suis très très prudent. Je suis venu te déposer quelque chose.
bienvenue. Oui. Est-ce que tu vas bien? Ah, on est là. C'est juste qu'on est en train d'aller vers la mort. Il n'y a pas de problème. Je suis là pour toi. Et c'est le soir que je partirai. J'ai emmené un peu de nourriture pour toi. Ah. Comment sais-tu que j'avais faim? Mais bien sûr, je dois le savoir. Tu es mon ami. Ouais. Merci. Akuzé, je me suis rappelé. Le prochain roi a été choisi. Vraiment? Oui. C'est qui ça encore? Ichiobi, ton oncle. Les fils d'Ichiobi. Ah, d'accord. Félicitations à lui. Accorde-moi un peu de temps que je mette ça à la maison. Amaka? Bonjour. Où est ton frère? Ah ah, je vous vois très fâché comme ça. J'espère qu'il n'y a pas de problème. S'il te plaît, réponds à la question. Ne vaut pas du temps pour ça. Il n'est pas là. Il n'est pas là? Ah, c'est vrai, non? Je t'avais dit. Je l'ai vu avec la nourriture aller chez Agouzé, hein? Non, ça ne peut pas être possible. Il ne peut pas faire ça. Comment tu peux inventer les choses comme ça? Il m'a dit hier soir qu'il ira à la maison maternelle. Il devait sortir ce matin. Et d'ailleurs, la nourriture qu'il a, c'est pour notre grand-mère et non pour Arundé. Es-tu sûr? Très sûr. Très sûr? Tu parles beaucoup comme le quoi? Ok, pas de problème. Quand il va revenir, dis-lui que nous étions venus le chercher. Est-ce que tu comprends? Au revoir. Si vraiment il l'a vu, ça devient très dangereux. Je dois lui informer pour qu'il soit vraiment prêt. Grand frère, tu es de retour? Je pense que tu n'as pas fini toute la nourriture. Ça va un peu. Tu n'as pas fini? Laisse-moi t'aider à aller rapidement. Grand frère. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tes amis étaient venus ici te chercher. Ils étaient venus me chercher? Bien sûr. Pourquoi vont-ils alors me chercher? Ils disent qu'ils t'ont vu aujourd'hui, avec la nourriture, partir vers la maison d'Agosé. C'est comme si ses amis essayent de me surveiller. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Je les ai dit que tu es parti dans la maison maternelle pour ramener la nourriture à notre grand-mère. Mais grand frère, on s'était dit d'être très, très prudent. Parce que tu sais, si on nous voyait, on va nous amener chez les anciens. Et on sera banni. Ma soeur, nous devons être très prudents. Mais tu sais qu'Agouzé est mon meilleur ami. Et nous ne pouvons pas l'éviter. J'ai ressenti de la douleur, ça me fait mal. Bien sûr, je sais. Mais tu dois être très très prudent. Je t'ai dit, sois prudent. Ok, Amaka, je sais quoi faire. Je vais apprendre à être prudent. Et en même temps, toi aussi apprends à être prudente, ok? Ok. Tu dois apprendre à être sage, ici dans ce village. Ama? Oui, grand frère. Tu vois, c'est ce genre de fées que je suis en train de chercher. Ça, je savais. Je ne blague pas. Tu as les yeux sur elle. Je ne blague pas. Dis la vérité. Tu as les yeux sur elle. Bien sûr. Je voulais oublier. As-tu entendu? Entendu quoi encore? Entendu quoi encore? Le second roi a été choisi. C'est quoi encore son nom? Tu ne parles pas de Aguata? Aguata, l'enfant des chefs Obi. Je n'ai rien à voir avec toutes ces histoires de roi, on doit couronner. Ça ne m'intéresse pas en tout cas. La date a été choisie. Et ça aura lieu au prochain jour du marché. Mais grand frérot, est-ce que tu seras là? Amaka, tu n'es pas sérieuse. Je t'ai déjà dit que je n'ai rien à voir avec ces couronnements. Peu importe que ce soit le jour du marché ou après le jour du marché. Grand je frère, n'irai pas là-bas. Demandé. Je n'irai pas là-bas. C'est juste une question. Je t'ai juste demandé. Tu ne dois pas m'embrouiller avec cette histoire de couronnement de n'importe qui. Excuse-moi si je te dérange. Revenons d'ailleurs à notre belle conversation. Pardon, oublie cette discussion, je t'en prie.
Regarde-moi. Amaka, va lui parler. Essaye de la convaincre. Pardon. Arrête un peu tout ça, s'il te plaît. Je veux rien lui dire. Va lui parler. Je lui dirai rien, pardon. Hmm? Salut. Allô? Est-ce que c'est Madame Ifeji? Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Vous êtes en train de parler au réceptionniste. Ouais. Votre patronne a connu un accident de circulation. Quoi? Jésus! Jésus-Christ! Oh, mon attends, Dieu. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus! Au côté, j'ai même pu problème, entendre ta voix de... De là où j'étais, là-bas derrière. Oko, hein? Il y a un problème. Hein? Y a-t-il un problème dans cette maison ou bien à l'extérieur? S'il te plaît, je n'arrive pas à comprendre. Ma mère, elle a connu un accident. Ce n'est pas vrai. Je suis finie. Tu as dit qu'elle a connu un accident? Ça me fait mal. Je t'en supplie. Dis-moi d'abord, qui t'a appelé? Je viens de recevoir un appel maintenant. Hey! Mais j'espère que ce ne soit pas notre patronne. Et qu'allons-nous faire, madame? Je dois me dépêcher pour l'hôpital maintenant. Je dois partir. Mon Dieu! Mon Dieu! S'il te plaît, vas-y rapidement. Vas éviter que tu arrives là-bas. Eh Dieu, non, s'il te plaît. Dieu veut que ça n'arrive pas. Si quelque chose arrivait à notre patronne, nous serons tous finis. Dieu, s'il te plaît, si quelque chose arrivait à notre patronne, je serai obligé de chercher un autre endroit. Même s'il faut tout prendre, même s'il faut prendre les voitures, la maison, prenez mais qu'il reste en vie. Parce que si ma patronne mourait, ses ventres seront totalement vidés. Et mon salaire, qui pourra me payer? Tu n'as pas toujours fini? Oui, madame. Elle a en effet cédé toutes ses propriétés en un an. Oui. Tu vois, tu n'avais pas que signer les papiers d'adoption ces jours-là. Tu avais aussi signé d'être la totale bénéficiaire à toutes ses propriétés. Et comme je te parle là maintenant, tous les documents des propriétés ici sont tous en ton nom. Et toutes ces propriétés t'appartiennent. Et pour moi, je dirais, essuyons nos larmes et cherchons à nous réjouir. Que son âme repose en paix. Elle était d'ailleurs une très très bonne femme. Que son âme repose en paix. Mais pourquoi ne m'avait-elle pas raconté tout ça? Je pouvais toutefois la protéger. J'aime tellement cette femme. Je le sais. Elle a beaucoup fait pour moi. Mais en tout cas, j'ai pu d'ailleurs te rassurer qu'elle était une très bonne femme. Une très très bonne femme. Que son âme repose en paix. J'aime tellement cette femme. Oui, tu as raison. Tu as vraiment raison. Calme-toi, mais tu sais, c'est vraiment le bon moment pour ça. Agouoke. Mon ami, c'est toi que je vois. Je vois que tu vas bien. Un peu bien, mon ami. Donc, c'est vrai. Ce que j'ai vu, tu dois faire attention. C'est étonnant ce que tu as fait. Hmm? Je t'ai vu là où tu allais hier. Ta sœur nous trompe que tu as porté la nourriture à la maison de ta grand-mère. Il y a deux choses qui s'étaient passées. Et c'était très urgent. S'il te plaît, pardonne-moi. Est-ce que c'est accepté? Pas de problème. Hmm? Je m'en vais d'abord. Regarde comment ta tête brille. Et tes yeux brillent de jour en jour. Ah, ne me touche pas. Tu n'as plus le respect aux personnes âgées.
Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi. Donne-moi même une minute. Je t'écoute. C'est un problème d'aider. Je vais t'aider. C'est le problème d'aider. Laisse-moi te mettre dans mes projets. Projets pour aider. Dans tous ces villages, tu n'as pas trouvé une autre personne. Hein? Donc c'est moi que tu as trouvé pour tes bêtises. Hein? Pardon, qui te voit moi? Qui peut imaginer? Regarde-moi. Regarde la qualité de la personne à qui j'ai besoin de travailler. Charité, j'ai besoin de t'aider. C'est moi le prochain roi. Tu veux dire quoi? Après le roi Avatar qui était mort depuis longtemps, vous avez moi pour répondre à... Écoute, quand j'étais en Angleterre, causé avec Diana Rose, qui es-tu même pour m'approcher? Je suis descendu très bas, jusqu'à arriver à ton niveau. Tu ouvres même ta bouche pour me parler de bêtises. Regarde comment il me parle. Un ivrogne inutile. C'est pas de ta faute. Je ne te blâme pas, je me blâme moi-même d'être là, en train de te parler. Tu disparais d'ici, mon ami. J'ai fini avec toi. Va procès. Finis avec la réclamation. Finis avec la réclamation. Disparais vite ici. Quel genre de personne es-tu, toi? Tu parles beaucoup sans raisonner. Va-t'en vite là, inutile. Mais c'est qui ça, C'est qui ça? Restez là, Vous n'allez pas entrer, j'ai dit restez là. Votre Altesse, mon roi, je vous salue. Salut, mon roi. Qui es-tu? Oh, autre que notre nouveau roi. Ok. Quel jeu dont vous êtes en train de parler? Quel jeu? Ça, c'est l'éviction légale que j'ai eue. C'est pourquoi je suis votre Altesse. Ça, c'est mon trône. C'est mon pouvoir que vous avez eu. Mon trône que vous avez eu. En mon absence, c'est ce que je réclame. Dégagez cette histoire hors de mon palais. Je t'approche de qui? Mon vin, ma bouteille de vin. Allez, donne-moi ma bouteille de vin ici. Ce que vous faites, c'est pas normal. Je suis une personne de valeur. Vous me soulevez brutalement comme ça? S'il te plaît, prends bien soin de cette maison. Ok? Toutefois, si tu as besoin de quelque chose, peu importe la chose, n'hésite pas de m'appeler au téléphone, ok? Je vais transférer beaucoup d'argent sur ton compte. Ok? S'il te plaît, emmène-moi ce sac dans ma voiture. Vite! Est-ce bien toi? Je ne peux pas croire ces changements. Maintenant, je crois que rien n'est statique. Regarde-toi. Ah, mon Dieu. Merci, Jésus. Agosé, mon frère. Je ne suis pas contente. Je ne le suis pas. Je sais. Mais je ne veux pas que cette souffrance continue à te déranger, s'il te plaît. Je t'en supplie.
Est-ce que tu vois ça? Tu vois ce que la pauvreté a rendu mon frère? Tu commences maintenant à te comparer à un chien. Rappelle-toi bien que tu es le roi de ce royaume. Tu es celui qui devait être sur ses trônes. Tu dois être sur ses trônes. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. J'ai vécu l'enfer de mes propres yeux. Autour de moi, tout le monde croit que j'ai tué mes parents. Et ils croient tous aussi que je t'avais tué. Imagine la suite. Dieu nous a vraiment bénis. Ifechi est ici pour toi. Je suis là pour toi. Il n'y aura plus de pauvreté. Ichie Kena, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es silencieux depuis que tu es revenu du palais. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ce que j'ai vu au palais m'a laissé sans mots. Je ne sais plus quoi dire. Toi, ne manques-tu pas à dire? Mais quoi d'autre veux-tu que je dise? Mon cher ami, tu veux que je dise quoi encore? Ichie Kena, que veux-tu que je parle encore avec cette situation précaire? Hey! C'est maintenant clair qu'ils ont tué leurs parents. Ça se voit maintenant. Et sa sœur l'a fait pour de l'argent magique. As-tu écouté ça? Maman? Pourquoi tu t'inquiètes de toi-même? Pourquoi? Pourquoi, maman? Finalement, nous avons parachevé notre course. Oui, je t'avais promis, maman, de ne plus t'abandonner. Ici. Maintenant, je suis au pouvoir. Oui. Je vais tout arranger. Ne t'en fais pas. Je suis lion. Oui, oh. Le garçon est bon. Yeah. Mais cela dépend du roi. Les lions en personne occupent le trône. Un enfant sage. C'est ça. Rajoute les cœurs de sa maman. Ça, c'est ma mère. Oh, j'ai aimé ça. Tu sais, je ressentis la colère sur son visage. La méchanceté, j'ai dit la guerre. La guerre, je t'ai dit. Mais il ne saura pas. Maman, cesse de parler. Maintenant là, ça c'est le pouvoir que j'ai à main. Ça se voit. Le symbole de l'autorité. Oui. Si je donne l'ordre à tous ces vieux stupides ou en chapeau rouge, je peux leur dire de dormir par terre et ils le feront. Bien sûr, tu es le roi. Et mon fils, les lions. Tout est déjà fini. C'est ça. Ago. Bam. Ago. Les rois qui s'habillent en lion. Akuzé, qui est là d'abord? Oh oh, Akuzé. Celui que tu appelles n'est pas à la maison. Ah oh, tantine des tantines. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tantine des tantines. Bon après-midi. Bon après-midi. Maman, bon après-midi. Oh, s'il te plaît. En tout cas, bienvenue. J'ai appris que vous êtes revenu. Je me suis dit de venir saluer mon ami et de prendre mon propre pain. Mais pendant que j'étais en train de venir, j'ai entendu les gens dire qu'ils se battent pour le royaume, mais ils ne savent pas ce qui se passe réellement pour ce royaume. Sois la bienvenue, maman. Sois la bienvenue. De rien. Merci. Tel que tu vois, cette vie est très compliquée. On dit toujours que peu importe la décision dans laquelle tu te retrouves, ne désespère pas. Oui. Moi, là, je suis Ifeji. Dieu a fait ton pour moi. Oui, c'est vraiment ça, oui. Je suis tellement contente du fait que Dieu a exaucé mes prières. Dieu a essuyé mes larmes. C'était très compliqué, je te dis. J'avais tellement souffert. Il est tellement bon. Comme tu le vois, Ifeji, je suis bien. J'ai tout maintenant. Les voitures. Je peux voir. Tu laisses ta voiture presque partout. Tu laisses ta voiture partie par là. Tu es venu notre famille. Je peux te donner l'argent maintenant. Vraiment? Oui. Tu vas l'utiliser pour changer tes vêtements. Tu vas acheter
de très beaux vêtements qui vont te rendre très beau. Alors, prends ça. Moi? Utilise ça pour changer tous tes vêtements. Tantine? Tantine? Et tu peux acheter des crèmes qui vont aussi te faire du bien. Je crois que cet argent est suffisant pour se marier, alors je vais me marier très Merci. Bientôt. S'il te plaît, non, mais... dès que tu pourras sortir, informe aux autres que Ifeji Elle est revenue. Est de retour, vraiment. En tout cas, je t'assure que j'irai partout dans ces villages. Et je commencerai Ifeji à le dire, je commencerai retour. À le dire que tu es revenue. Moi, j'ai déjà beaucoup d'argent. Prends ça me suffit ça. Déjà. Oui. Je dois aussi ramasser oui. ça. Oui. Vas-y, prends ton argent. Vas-y. Ramasse tout continue ça. Continue encore, s'il c'est te plaît. C'est pour toi. Attends, tout ça, c'est pour moi. Je n'arrive pas à croire, s'il te plaît. Ah, je suis là. C'est pour toi. Tout ça, c'est pour toi. Non. Oui. Attends d'abord que je ramasse ça. Ah. S'il te plaît, attends que je ramasse ça. Et tout le monde doit entendre ça. Je reviendrai encore prendre un peu d'argent. Ah oui, t'inquiète. J'ai beaucoup d'argent, moi. Ah oui. Vous allez sentir. J'ai beaucoup d'argent maintenant. Je ne veux plus que tu te sentes abattue. Je briserai la fondation de cette maison et recommencerai à construire une autre. Oui. J'étais très bien. Mais ce n'est pas ce que tout le monde voulait que je puisse vivre. Et brusquement, le monde commençait à s'effondrer. Tu es libre de prendre tout ce que tu veux. Pourquoi ne pas croire? Toi et moi savons très bien que je ne peux jamais faire du mal à quelqu'un pour un but quelconque. Même lorsque je pense à la douleur de mes parents. Je n'ai pas vu les choses comme ça, en effet. J'avais juste besoin de beaucoup de temps pour y penser, tu vois. Je suis venue pour deux raisons. Pour me rassurer que tu es assise sur ce trône. Et pour découvrir qui ont tué nos parents. S'il te plaît, crois-moi. Même si ça va te demander que je perde toute ma vie. Sans cesser. Oui. Comment peux-tu dire ça? Non, je n'ai pas besoin que tu... Je ne vais pas l'accepter. Ma sœur, regarde. Pour l'amour de Dieu, laisse-les l'occuper. Je trouve qu'il ne sera pas vraiment bon que nous menions ce combat, hein? Tu es déjà riche. Qu'est-ce que tu cherches d'autre? Tu n'es pas en train de parler comme un homme. Tu ne me comprends pas. Tu ne comprends pas. Je pensais bien que ma connaissance pouvait primer. Nous avons vraiment subi l'humiliation. Je te dis, ces choses me font très mal. Je dois ramener ton honneur. Je dois le faire. Personne, et même les grands prêtres, ne peut pas me stopper. Je t'ai connu un lion qui n'a jamais eu peur ou qui court d'autres animaux. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu fais partie de notre combat, juste comme j'ai dit que je ne suis pas à l'aise avec lui, je ne me sens pas confortable depuis que je suis revenu. Je ne me sens pas à l'aise. Et toi aussi, tu ne te sens pas confortable. Tu t'inquiètes un peu trop, mon mari. Ah ah,
qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Tu es un homme, un lion de surcroît. Je sais que tu dois régler cette situation, je te connais. Je te connais. Ah ah. Ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que je n'arrive même pas à comprendre pourquoi ça se passe de cette manière. Je te jure que je n'arrive pas à comprendre. Ah, tu m'obines. Je te remercie d'être venu ce matin et merci d'être toujours autour de moi, frère. Agou, mon ami, je suis aussi content de te rencontrer ce matin. Je suis très content que ton histoire s'améliore en bien. Je peux voir le sourire sur ton visage. Je crois que tu as eu une nouvelle. Oui, j'avais reçu la nouvelle. Mm-hmm. Mais je peux voir une grosse voiture parquée de l'autre côté. Mm-hmm. Ouais, ma soeur vient de partir. Elle est allée quelque proche du village. Waouh! Agouz, et donc c'est vrai, hein? Tu sais qu'il y a longtemps qu'elle a quitté ici. Elle est allée quand même à une promenade. Oh mon cher, je suis très content pour toi. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Mon cher, viens. Mm. Non, mon cher, va à l'intérieur et sors la nourriture, s'il te plaît. Prends, nous allons boire et puis nous allons célébrer. Ah, pourquoi ici? Viens, on va entrer. Tu es un homme spécial. Wow. Pour moi. Hugo! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Quitte devant la voiture. Mon frère, quitte là-bas. Laisse-le rester là. Ah. Où est mon Hugo? C'est clair que Igwe est resté quelque part. Ah ok, je comprends. Je vois que vous faites un tour. Vous êtes en train de vous déplacer, ça va. C'est vrai que tu es ivre. S'il te plaît, bouge de là et laisse-moi partir. Si seulement que tu ne faisais pas partie à la lignée du pouvoir, je devrais tout de suite de moi-même te dire de rentrer à la maison, d'aller t'occuper de ton fou de fils que tu as laissé là-bas. Je te préviens, l'heure est dangereuse. Sois vraiment prudente. Je vais partir rapidement, je perds mon temps ici. Je n'ai pas le temps pour toi. Même si tu t'envoies, je t'ai déjà dit le message, tu as compris. Vous, la grande dame de ce village, vous êtes toujours comme ça, pressé. J'ai dit de venir prendre toi-même. Avec quelques bouteilles du liqueur. Hein? Écoute ici, l'heure est dangereuse. J'ai dit l'heure est dangereuse. Il faut faire vite. D'ailleurs, je passe mon temps inutile. Je dois aussi partir. Dis à tout le monde de me suivre à la maison pour que chacun prenne sa part. L'heure est dangereuse. Excusez-moi. Pardon. Je veux bien que tu sois ma nouvelle femme. La parole que je vais t'adresser maintenant là, c'est très importante. Donne-moi seulement quelques minutes de causerie. Je n'ai pas le temps pour t'écouter. Je vous chasse, vous tous. Le fou. Regarde-moi les gens lesquels je vais aider. Je suis le champion. Je le suis. Après votre roi bâtard, c'est bien moi, votre prochain roi de ce royaume. Je vous préviens. Vous qui me prenez pour l'ivrogne. Oh, Ichi! C'est toi là? Tu veux me dire maintenant là que tu viens de la réunion avec le Igwe? Mais dis-moi, Ichi, tu dois tromper. C'était pour parler de la mort des parents de Eze. Mensonge. Tu viens de manger, boire, vous tous là avec les Igwe. Vous étiez rassemblés avec ton chapeau rouge. Tu viens de manger. Vous enviez l'argent. Je mens. Attends. Ibé, ou peu importe comment on t'appelle, si seulement tu savais l'état de mon humeur, tu n'allais pas permettre. La manière dont l'alcool a infecté ton anatomie de pénétrer jusqu'à ma zone environnementale.
Écoute, tu dois savoir que tu n'es juste qu'un ivrogne. N'importe quoi. La façon dont tu es en train de parler. Un fouteur, il te fouteur. Je m'en fous de tout ce que tu as comme humeur. Inutile, tu es, qui parle de n'importe quoi. Et d'ailleurs, pourquoi suis-je en train de perdre mon temps à discuter avec une personne qui ne voit absolument rien? Une personne qui a accepté que l'alcool détruise son destin. Hein? Ne parle pas quand je parle. Dans tous ces villages, il n'y a personne qui ose me défier à part toi. Et laisse-moi te dire maintenant. Je n'arrive même pas à te comprendre. Tout de toi paraît périmé. Ton état d'esprit est aussi devenu périmé. Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Retiens-le maintenant. Sinon, tu verras. Va-t'en d'ici, fouteur. Attends d'ailleurs que je m'en aille. Ah, je dis disparaît vite de mes yeux, Itché. C'est vrai que... Un vieux comme toi, tu es en train de foutre dans cette communauté. Fou que tu es. Il est temps de renverser. Ce roi, ce bâtard de roi. Son nom a changé. Il n'est plus ce que vous savez. Il est devenu le roi bâtard. Fouteur. Le vieux fouteur ne font rien de ce royaume, les inutiles. Où est-ce que tu vas à cette heure? Oui, je sors. J'espère que tu n'as pas de problème avec ça. D'accord, ce n'est pas un problème, mais tu dois certainement m'avertir avant de toujours bouger. Est-ce que tu as compris? Tu dois être un homme. Tu dois être fort. N'abandonne pas. Hein? Ah. Oui, je sais. Oh, je vous salue tous. Je pense que vous allez bien. Oui, je me porte très bien, mais je ne pensais pas que tu allais venir. Oui, je viens de chez Iguakuata. Je suis venu pour vous donner un message. T'ai-je entendu dire Iguakuata? Même en ma présence, tu as le culot de le traiter vraiment comme ton roi? Alors que tu es devant ton roi. S'il te plaît, essaie de te calmer. S'il te plaît, Mankena, quel est le message? Iguakuata a besoin de te rencontrer les matins. Là-bas, chez lui, au palais. D'accord. Non, je viendrai. Okay. Je ne veux plus voir tes deux pieds dans cette parcelle, sinon je veux te décapiter. Espèce d'idiot, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Écoute-moi très bien. Je me répète encore. Sois comme un homme. Comporte-toi en un homme. M'as-tu entendu? N'abandonne pas. Assez, c'est assez. D'ailleurs, je ne sors plus. Amaka, pourquoi as-tu décidé de s'associer avec cette famille qui a tué leurs parents? Hein, Amaka? Toi, ta bouche, tu l'utilises seulement pour parler pac. Est-ce que tu as même le preuve? Ça se voit que tu aimes bien calomnier. Amaka, pourquoi ça te fait mal? Tu changes de chemin comme des habits. Est-ce que c'est ce que tu empruntes? À quoi ça ne te concerne? Est-ce que tu l'utilises? Je me soucie juste pour toi. Je ne veux pas que tu plaires. Merci de t'en soucier. Rien ne va m'arriver. Et d'ailleurs, cette famille-là est innocente. Agouzé, prépare-toi. Nous partons au palais maintenant. Pourquoi est-ce que tu t'es fait très mal à la tête pour ce problème? Mais laisse-les faire. Écoute, je ne suis pas vraiment intéressé au trône. Bon sang, mais Dieu t'a béni. Nous sommes maintenant bien, mais pourquoi est-ce que tu te déranges? Mon peuple est en train de souffrir. Je dois corriger certaines choses avant qu'il ne soit trop tard. Mon peuple est en train de souffrir.
Je ne peux pas voir mon peuple souffrir. C'est énorme. Je dois corriger toutes ces bêtises. Alors, après toi, nous allons partir au palais maintenant. S'il te plaît. Êtes-vous venu me voir? Ce n'est pas toi que j'ai appelé, c'est plutôt ton frère. Tu es venu faire quoi? Comme tu peux le voir, je suis ici. Alors, pourquoi veux-tu voir mon frère Agouzé? Oh, je vois. Ta tête est vraiment inondée. Tu vois là où ta tête est amenée? Ikechi, sais-tu que je suis le roi de ce royaume? J'ai la compétence, le pouvoir, toutes choses, tout ce que j'ai dans mes mains, c'est le pouvoir de stopper et contrôler tous tes mouvements stupides et locaux avec tes hommes locaux qui te gardent, qui font des bruits comme si ils te protègent. Les villageois, ils ne sont pas les mêmes ici, ils sont très loin. Prends soin de regarder mes gardes, comment sont-ils? Vraiment robustes. Pardon, je n'ai pas besoin d'entendre beaucoup de bruits qui font tes gardes. Ils parlent de n'importe quoi, ils font seulement des bruits. Ils parlent des boubards, des bêtises. Sans raison. Je me rappelle que... Personne qui peut défier les lions. Je suis les lions moi-même. Je m'habille en lion. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Tu n'as pas du tout le droit de m'ordonner dans le palais de mon propre frère. Agouzé, mon frère, est le véritable roi de ce royaume. Maintenant, j'aimerais que tu saches que la guerre a commencé. Tu n'as plus droit de rester ici. As-tu compris? Ce qu'un homme peut faire, une femme peut aussi le faire par détudesse. Et ne sois pas déçu de la somme d'argent que tu as, cette petite somme. Je reviendrai à toi. Et maintenant, écoute. Et écoute très bien. Moi, Ifechi, je suis prête pour la bataille. Parce que nous sommes sur la ligne de la bataille. Je te donne juste 2 jours pour que tu abandonnes le trône et que mon frère le récupère. Si seulement tu désires la paix, j'espère que tu as compris. Ifechi, maintenant, je sais que ta... petite folie affecte ton cerveau. Comment oses-tu venir dans mon palais? Commencer à vomir de n'importe quoi. Des bêtises, langage déplacé venait de toi. Tu n'as pas peur de moi? Je suis le roi des jungles. Je suis venu occuper. Je suis venu vous diriger tous les gens locaux. Rappelle-toi que je m'habille moi-même en lion. Ok, on verra. Ok, nous verrons. Allons-y. En tout cas, je n'arrive pas à comprendre ton problème exactement. Est-ce vraiment à cause de l'argent? Est-ce parce que tu es maintenant riche? Pourquoi es-tu maintenant si méchant? Tu as dû parler au roi de ce village, le roi de ce royaume, de cette façon? Laisse-moi encore te dire. Tu es le roi de ce royaume. Et je sais ce que je suis en train de faire. Comment est-ce que tous ces fous peuvent choisir quelqu'un à cause de l'argent
Et non seulement ça, c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne éducation. Écoute, je dois finir toutes ces bêtises. Son nom, c'est Amechi. Mais il ne sait pas du tout que nous allons arriver demain. Afamubo va finir. Il va tomber. As-tu compris? Essaye juste... Bon, en fait, vis comme un homme. Vis comme un homme. Je suis ici pour toi. Je suis là pour toi. Lorsque je t'avais dit que demain n'est pas loin, tu ne voulais pas me comprendre. Je suis venue encore t'avertir. Les trônes appartiennent à ma famille. Je veux juste que tu puisses te loigner pour que Agouzé, mon frère, prenne place. Jeune dame, ne me pointe pas cette arme. Rappelle-toi, je suis le roi de ce royaume. Ne commence pas la guerre que tu ne sauras pas. Attention, dégage-toi de là. Oh, tu veux savoir ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Boss. Ça c'est juste un exemple de ce que je ferai. Je te le dis. Tu ne veux pas obéir à mes instructions. On verra entre nous deux. S'il te plaît, vas-y. Allez, doucement. Allons-y. S'il te plaît, doucement. Dégage, je vais te revenir. When Ifechi is talking, money is talking. If you no get money, you go stand attention. Money na soap, e dey wash poverty commote yo. Nay, je suis vraiment très inquiète avec tout ce qui se passe ici. Je ne veux pas que quelque chose arrive à mon fils. J'ai besoin de mon fils en vie. Oh. Tu le sais très bien que ce trône appartient à cette famille-là. Mais pourquoi ne pas dire à ton fils d'abandonner? Le sentiment que j'ai actuellement, il y aura des troubles, des troubles, des troubles partout. Et c'est quoi tout ça? Ferme-moi ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire désordre, désordre? À quoi est-ce que le lion est connu? Il est le roi de la forêt. Il va dans la forêt et il domine. Et il fait aussi fuir d'autres animaux. De quoi es-tu en train de parler? Personne ne reste à mes côtés et me prend ce qui m'appartient. C'est mon fils qui assumera cette tâche. Akuwata. Akuwata est et restera le roi. Et tu te permets de me dire tout ça? Si réellement tu me connaissais, tu n'allais pas oser me dire tout ça. Je suis une protection, une forte protection. Pour toi, et même pour tes gens. Mon fils ne quittera pas à cause de rien. Il est venu pour rester. Il restera là pour toujours. Laisse que cette personne vienne. Tu penses que j'ai peur de cette personne?
Hein? Si tu sais ce qui est bon pour toi, va me prendre ma nourriture. Va me prendre à manger. Hein? Si tu penses que cette bêtise, tu peux le faire passer chez tes parents, ça ne marchera pas ici chez ton mari. Hein? Tu as même peur qu'une autre personne vienne détrôner notre fils. On ne peut pas trop parler. Le sang qui coule dans mon fils, c'est de la même manière que ça fonctionne chez moi. Et c'est de la même manière que mon père l'a fait fonctionner chez moi. Alors, il ne faut avoir peur de personne. Garde, laisse-nous la place. Oui, mon roi. Mon fils, je veux pas que tu t'inquiètes. Le futur est tellement court pour toi. C'est ça pourquoi je te demande de ne pas réagir. Hein? Souviens-toi, tu es maintenant le roi et plusieurs personnes ont le regard sur toi. Plusieurs choses ne seront pas résolues comme ça. C'est pourquoi sois prudent sur ce que tu fais. Il a tiré mon garde au pied. Ça, je sais. Elle va les payer. Oui, elle va les payer. De toute façon, les gardes est en train de prendre les soins à l'hôpital. Une petite fille ordinaire, insensée. Qu'elle ne me rappelle pas de des mauvais souvenirs de passé. Maman. Mon fils, je sais que tu es un lion. C'est la raison pour laquelle je te demande de ne pas réagir. Oui. Laissons-la faire ce qu'elle veut. Et je sais qu'elle cherchera à venir vers toi. Et c'est par là qu'on va le mordre. Oui. Réagis en tant que roi que tu es. Rappelle-toi maintenant que tu es de la royauté. Bien faire les choses. Il faut très bien faire les choses. Sois prudent. Ifeti, elle me défie vraiment. Hey. C'est vrai? Tu m'oublies, je suis inquiet. Je suis vraiment, vraiment inquiet. Oui, je suis vraiment heureux que ma sœur soit revenue. Mais elle me donne vraiment la peine. La peine dans ce sens que elle voudrait que je devienne un roi. Elle voudrait que la royauté revienne à notre famille. Mais elle ne comprend pas que je ne veux pas de cela. Je voudrais juste vivre librement parmi le peuple. C'est tout. Où tout le monde a déjà oublié comment j'étais accusé d'avoir tué tous mes parents. Vous l'avez oublié. Et j'ai été banni. Maintenant, une nouvelle heure a commencé et elle veut me ramener dans ses problèmes encore. S'il te plaît. Tu es la seule personne qui lui parle bien. Je veux que tu puisses m'aider. Et je t'en supplie, parle-lui de me laisser calme, s'il te plaît. Agouzé, mon ami. Tu sais, ta sœur a raison. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle se bat pour toi. Tu es le roi de cette communauté. Même les anciens, ils savent à propos de ça. Tout le monde sait à propos de ça. Mais ils ne veulent pas que tu sois le roi. Maintenant que ta sœur a d'argent, elle a assez d'argent pour se battre pour toi. Et maintenant qu'elle se bat pour toi, tu es en train de te plaindre. Pourquoi es-tu en train de te plaindre? Hein, Agouze, pourquoi es-tu en train de te plaindre? Tu dois déjà te préparer. Prépare-toi déjà. Parce que c'est toi qui es le roi de cette communauté. Merci pour ton conseil, mais je suis vraiment déçu. Je ne m'attendais pas à ce genre de choses venant de toi. Agouzé, mon ami, tu sais que je ne t'ai jamais fait échouer. Et je ne te ferai pas échouer cette fois-ci. Fais-moi confiance. On part. Ah! Igwe! Mon roi unique que j'ai dans ce royaume.
Votre Altesse, me voici vous rendre les hommages devant. Je tourne toujours les honneurs. Igwe, vous savez pourquoi je suis là. Ibe, qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne suis pas ton roi. Hein? Mon nom est Angozé. Un seul garçon créé par Dieu qui vit en paix. C'est ça. Je ne veux pas être le roi. Je ne veux pas de cela. Je veux juste être tranquille comme toute autre personne dans ce village. Non, c'est bien. Alors, tu prends ça pour toi. Hey! Igwe! Igwe! Non, non, ça ne sert à rien. Il faut juste partir. Merci beaucoup. Je chercherai comment annoncer pour les cadeaux que vous venez de me donner. Quel est le nom de ce voleur-là? Igwe et son staff de footeur, ils seront surpris. Igwe, je pars chercher à manger. Mon estomac est vide, que j'y mette même quelques gouttes d'alcool. Tout de suite. Je suis parti. Mon roi, n'oublie pas de me faire votre fournisseur de vin de palme quand le moment viendra. Le don venant de Dieu. Je m'en vais. Me manques-tu? Comment peux-je t'aider? Vas-y. L'œil de Dieu. Je veux que tu m'aides à garder mon mariage. Je viens de voir mon mari avec une autre femme. S'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Connais-tu le nom de cette dame? J'aurais besoin du nom de cette dame. Retire de ma bouche. S'il te plaît. Je ne crois pas que tu existes toujours dans ce monde. Aisément. Akumwada n'est pas le roi de ce royaume. Agouze, mon frère est le véritable roi de ce village. Tu es l'œil de Dieu. Tu dois faire quelque chose. Les dieux n'ont jamais pointé une mauvaise personne pour être roi de ce royaume. Ezemo, fais quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Je suis la femme qui désire la justice. Dans l'histoire de cette terre, femme, on ne négocie jamais pour le trône. C'est un tabou. Comment oses-tu te tenir devant mes dieux et oses-tu leur dire que tu connais mieux qu'eux? N'essaye jamais de provoquer les dieux. Je pense qu'on t'a corrompu. Dis-moi, combien est-ce qu'ils t'ont donné? Je veux le doubler pour toi. Va-t'en ici. Ma chère, je suis vraiment désolé. Oui, on peut continuer notre affaire qu'on est en train de traiter. When Ifechi is talking, money is talking. If you no get money, you go stand attention. Money na soap, it dey wash poverty commot yo. Ego, ego. Money is a defense. When you get money, you go get justice over 90. Oh, ego. Money is a defense. Yo, when you get money, you go get justice over 90. Oh, ego. Ego. Ego neme. Ego. Owo. Ego, ego neme, ego, 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 ego neme, ego. Ah, Mazion Kewa. Notre fille, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Tu sais, j'aime les gens qui ne me stressent pas. Fille de notre terre. Je peux voir la colère dans tes yeux. Je peux aussi ressentir la douleur dans mon cœur. Je te dis la vérité. Mais tu vois,
J'étais aveuglé parce qu'il m'avait tout fait redonner pendant que j'avais besoin d'aide. Est-ce que tu m'entends? Mais ne t'inquiète pas. Tout va bien. Tout va bien. Je veux bien te payer. Mais, sois pour la vérité. Parce que si je reviens ici, tu ne vas pas aimer ce que je veux faire. Peu importe. Je veux te donner 500 000 Naira. Hein? Je ne t'ai corrompu pas. Ok. Je veux juste que tu vives une très bonne vie. Donc? Comme un homme légal. Oui, c'est ça. Mais toujours être du camp de la vérité. La vérité est une vie. Oui, ma fille. J'ai bien tu parlé. As raison. Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai, ma fille. Ego neme, ego owo. Ego, ego neme, ego, 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 ego neme, ego, ego. Ifechi is coming. Money is coming, she go use her money, wash your poverty, come out. When Ifechi is talking, people they stand attention. Make go merengare, ego. Ego, ego neme. Ego, 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 ego neme. Ego, ego. Ma fille, tu es la bienvenue. Merci. Hé hey! Mon Dieu, et pourquoi tu es venue dans ma maison cet après-midi? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Je suis venue vous voir. Es-tu la propriétaire de cette voiture? Vous voulez dire la voiture? Hein? Oui. Hé hey! Ifechi. Hé hey! Hé hey, mon Dieu. Hey. Vous voyez dans cette vie, peu importe la condition dans laquelle vous vous retrouvez, n'abandonnez jamais. Regardez Ifechi. Qui pouvait croire qu'Ifechi d'hier pouvait devenir millionnaire aujourd'hui? Hey. Qui pouvait croire? Bien. Attendez un peu. Dieu m'a vraiment béni. Alors je suis venue vous voir. Vous avez cet argent. C'est pour vous. Vous pouvez le dépenser comme vous voulez. C'est pour moi. Oui. Hey! Tout ça c'est pour moi. Tout cet argent est pour vous. Et ça? Dépensez-le. Hey! Qui est là? Ma femme, viens voir des billets américains. C'est comme ça que vous me traitez? Tout ceci pour moi? Oui, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous. Hey, et ça encore. Hey, mon Dieu. Laisse-moi juste. Hey, oh, mon Dieu. En fait, Ifechi, je ne sais même pas quoi te dire. En fait, oh mon Dieu. Tout ceci pour moi? Hey, ouais. En fait, oui. Hein, tout ça c'est pour vous. Tout ceci tout pour ça, moi. C'est hey, pour vous. Hey, wow, mon encore. Dieu, Ifechi, tu veux me tuer? Hey. Prenez tout ça. Venez voir, venez voir, venez voir des billets américains. Je dois déjà partir. Oui, en fait, je ne sais même plus quoi dire. En fait, qu'est-ce que j'ai fait en réalité pour mériter tous ces billets? Hein? Tout ceci m'appartient. Regarde la fille que nous avions tout fait négliger. Regarde aujourd'hui comment elle a beaucoup d'argent. Qui pouvait croire que tu auras beaucoup d'argent? Mais ma soeur, quand est-ce que tu rentreras à la cité? Jusqu'à ce que je veux terminer ce dont pourquoi je t'ai venu ici. 1. Me rassurer que tu es assis sur ce trône. Et pour ton information, prépare-toi de t'asseoir sous ce trône déjà demain, si seulement tu veux que la paix règne dans ce village. N'importe quoi. Elle est vraiment hantée par l'esprit de la richesse. Maintenant, elle ne peut même pas me parler calmement.
Regarde la manière dont elle s'adresse à moi, de manière arrogante. Ce qui m'arrive est beaucoup plus dur que moi. C'est compliqué. Ndiche, ce n'est plus une nouvelle que Ifechi perturbe l'ordre établi. Je n'ai rien vu de mal avec Ifechi. Plutôt, Ifechi est en train de se battre pour ce qui appartient de droit à son frère. Est-ce que tu m'as entendu? Comment oses-tu hausser la voix devant moi? Je t'avais averti. Il semble que vous tous les anciens qui sont ici, vous tous ici, vous êtes uniquement des fous. Maintenant, qu'est-ce que vous avez exactement entendu? Pour faire du mal, le juste. Akuata, nous dans cette communauté, nous ne sommes pas en paix. Et même toi aussi, pendant que toi tu es sur le trône. Akuata, pourquoi ne remets-tu pas ce trône à qui il appartient de droit, afin que toute cette situation cesse, que nous ayons la paix dans cette terre? Et si je refuse, qu'est-ce qui va arriver? Je vous demande qu'est-ce qui va arriver. Tu as juste demandé, Akuata, tu as juste demandé ce qui va arriver. Laisse-moi te rappeler. Si tu refuses de faire la bonne chose, si toi, tu refuses d'abandonner ce trône, toi et ta famille, vous souffrirez de la honte dans cette terre. Voilà. Ah, je te le retourne. L'expéditeur, c'est toi et toute ta famille. Oui. D'accord, je te l'ai dit. Problème. Nous allons voir. Si je refuse, c'est quoi? Tu ne vas rien faire. Donc après tous mes avertissements, vous les anciens, vous continuez à faire de n'importe quoi, hein? Alors dis-moi, que vas-tu faire à propos de ça, hein? Qu'est-ce que c'est ces bêtises, hein? Que penses-tu faire? C'est quoi toutes ces bêtises, hein? À chaque fois, c'est il a fait ceci, il a fait cela. On peut pas avoir la paix à cause de toi, hein? N'importe quoi. Prochainement, si je parle, tu ne parleras plus. Demain, j'aimerais rencontrer tous les anciens dans ce palais pour faire ce que vous devriez faire depuis toutes ces années. Mazichike, prête-toi pour couronner Aguze, roi de ce royaume. À partir d'aujourd'hui, tu es le Honou de ce royaume. Ainsi parlez. Ndiche, alors, vous tous, vous êtes que des traîtres. On n'a plus rien à faire. Vous avez vu ce qui s'est passé? Maintenant, je sais que vous êtes faible, mais je vous reviendrai. Mon ami, as-tu vu? As-tu vu ce qui s'est passé? Calme-toi. Sois calme, je sais quoi faire. Ce n'est pas un problème. Je suis vraiment désolé d'avoir dépensé tout ton argent depuis tout ce temps. Merci d'être resté à mes côtés. Merci de m'être venu en aide. Mais présentement, je vais te faire savoir que je suis prêt à devenir le roi. Waouh! Je suis très contente. Je suis très heureuse. Ah bon? Apprête-toi. Tu vas t'asseoir sur ce trône demain. Oui. Tous les préparatifs sont déjà en cours. Nous connaissons bien notre tradition. Je vais marier. Je devrais avoir une femme à mes côtés le jour de l'intronisation. Faute de quoi, ça n'aura pas lieu. Tu ne trouves pas ça? Lorsque je te dis que tous les préparatifs sont déjà en cours, hein? Tu penses que ta sœur Ifechi est en train de mentir? Non, je ne blague pas. Tout est vraiment presque prêt.
Oui. Vas-tu aussi choisir une femme pour moi? T'inquiète, c'est déjà demain. Oh oui, je suis très contente. Sois fort, mon frère. Souris, non? Écoutez, mon ami. Oui. Tu as l'air bon. Merci beaucoup. Je suis très content pour toi. Vraiment. Et à partir de demain déjà, je ne commencerai proprement qu'à t'appeler le roi. Tu le mérites. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Grand frère, tu n'es pas les seuls. Tout ce village le voit seulement comme notre roi. Oui, je suis heureuse pour toi. Je vois. Tu as vraiment raison. Je voudrais vraiment vous dire merci à vous deux. Je t'en prie. En effet, je ne peux que vous remercier. Parce que vous avez vraiment été merveilleux pour moi. Merci pour avoir toujours été là pour moi. Et une chose, je voudrais que vous sachiez que demain, nous serons au palais. Je veux que vous veniez. Alors, s'il vous plaît, venez à temps. Vous allez vous mettre en première place. Angou, je ne vais pas manquer à ça. Si c'est possible pour toi, j'irai même aujourd'hui et dormirai là-bas pour demain. Vraiment, vraiment. Le roi en devenir. Ok, je dois partir. J'ai encore beaucoup de choses à faire, vous voyez. Déjà maintenant? J'ai beaucoup de choses à faire, mon cher. Hey, Igwe. Igwe en devenir. Mon cher. Hey, nous allons venir. Nous allons venir. Alors, on se voit demain, d'accord. Amaka, s'il te plaît, je reviens. Ok, mon frère. Igwe, nous sommes vraiment désolés. En fait, ce sont mes amis qui m'ont même mis en erreur. Je ne pouvais pas croire que tout ce qu'ils disaient c'était un mensonge. Nous sommes désolés, pardonne-nous, s'il te plaît. Igwe, nous sommes désolés. Je sais que nous sommes prêts à devenir vos amis. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Pardon. Ce n'est pas grave, alors levez-vous. Vous nous avez pardonné? Levez-vous. Merci Igwe. Merci. Merci, Igwe. Je n'ai absolument aucun problème avec personne d'entre vous. Oui, j'ai déjà pardonné, j'ai déjà oublié il y a beaucoup de temps. Parce que vous aviez agi par ignorance. Vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire. Mais ce qui m'avait fait plus mal est... Vous, mes frères, ne me croyez pas. Même si toute la communauté ne pouvait pas me croire. Alors qu'en est-il de vous, mes amis? À quoi servent les amis? Hein? Bon, tout ceci appartient au passé. La vie continue. D'accord? Merci, monsieur. Ah, d'accord. Merci. Et ce n'est pas un problème, ne vous en faites pas. Oui. Igwe, merci, monsieur. C'est toi que je vois là. Je pense que je l'ai tué. Qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Où vas-tu? Attends ici. Vous voyez maintenant? Vous avez vu maintenant? Même c'est inutile de vous rien. Ce n'est pas un problème. S'approcher de moi et me dire n'importe quoi. Allons ensemble. Même c'est n'importe quoi, ose me parler. Je ne suis pas n'importe quoi, je vais te parler, Ichie. Dis-moi encore, à quoi peux-tu? Peux-tu encore servir à ta famille? Hein? Tu es maintenant inutile. Quelle est cette fille qui peut accepter d'épouser? Un total imbécile, comme toi. Je ne suis pas ce que tu dis. Un inutile. Tu sais que j'ai la femme? Un sans valeur comme toi. Vas-y alors, Ichie. Alors, laisse-moi passer. Je n'ai rien à te dire. Désolé. S'il te plaît, laisse-moi passer en paix. Bon, allez. J'ai même pitié pour toi. Quand tu vas partir, nous saurons que tous les hommes méchants sont morts. Qui n'a jamais Qu'est-ce que tu attends pour que partir les gens disent de lui. Tout le monde saura que le méchant que est mort. Tu t'es vraiment bâti pour avoir ce royaume. Alors je pense que c'est le meilleur moment pour se battre. Écoute, le trône n'est pas mon souci. Mais plutôt, je m'inquiète pour la direction qu'est en train de prendre Ezemo.
et c'est mon semble. Comme s'il est en train de m'escroquer. Oui. Mais le problème dans tout ça, c'est que cette personne est coupable quelque part. C'est ce que je vois. Hein? Et tu sais comment les gens me regardent. Ce que je ne vais pas permettre, c'est que les aisément ruinent ma personnalité. Vraiment? J'ai un honneur à protéger. Et je vais les protéger. Avec ou sans aisément. Mais si ce n'est pas pour le trône, ça serait pour quoi? Pour que ceux qui sont derrière toi soient les victimes, comme il en dit. Tu commences maintenant à comprendre ce qui se passe. Je ne veux pas de cette situation comme pendant que je suis en train de marcher. Les gens commencent à me pointer du doigt juste à cause de la position qu'a prise Ezemo. Je ne vais pas le permettre. Ezemo doit être prudent. Les hommes comme moi sont faits pour les batailles. Oui. Et quand je vois d'ailleurs des gens comme Ezemo, je n'ai pas peur. Hein? Laissez-les donner n'importe quelle impression il est en train de donner de moi. Je suis ce que je suis. Oui. Je serai ce que je serai. Avec ou sans Ezemo. Hein? Mais mon mari, rappelle-toi. Tu ne peux pas combattre le dieu. Pour le dieu, en tout cas, tu ne sauras pas. Je ne suis pas en train de parler de combattre le dieu. Personne n'ose. Personne n'ose. Je suis en train de parler du fait que Ezemo est en train de cacher sous ce qu'il lui est demandé de faire. D'essayer de gagner quelques personnes dans tous ces villages. Je ne vais pas l'accepter. Ça va alors. Hein? Hein? Essaie juste d'imaginer. Aujourd'hui, tout le village me regarde comme un homme sans valeur, alors que j'ai une valeur à préserver. Et je ferai tout pour préserver cette personnalité. Sois prudent, oh mon mari. Sois prudent. Ah. Sois prudent, oh. Sois prudent, je t'en prie. Vous êtes invité au palais demain pour le grand couronnement du vrai roi. Je crois que le message est passé au... Viens, tu as entendu ça? Ma sœur. Fais un effort d'être là demain. Tu me demandes quoi? Je serai là. Je ne veux pas que vous me racontiez ce qui va se passer. Je dois le voir dans mes propres yeux. Ce couronnement sera vraiment excellent. Je ne peux pas laisser cette opportunité me passer. Allez, allons-y, je n'ai pas les tempêtes, allons-y. Tu dois le vivre. Moi aussi. Ada, Ada. Ada, bébé. La femme la plus belle. La femme la plus belle. Comment vas-tu? Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Chaque jour, tu es toujours en colère. C'est juste une salutation, hein? Attends, je ne t'ai pas vu de l'autre côté chez Agouzi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as beaucoup manqué? Vraiment? Oui, non. Je m'attendais à tes rencontres, mais je ne t'avais pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux t'imaginer? Ces jours-là, je m'étais très bien préparée. Parce que tu ne m'avais pas vue. J'étais très brillante au-delà de ce Adana. Que tu vois. Alors, tu peux t'imaginer? Tu sais quoi? Au moment où j'étais prête pour venir, ma maman est arrivée et elle m'a envoyée aller lui préparer quelque chose. Je crois que maman te cherche déjà, donc tu dois déjà partir. Mais n'oublie pas que tu m'as beaucoup manqué. Tu as beaucoup raté. Nous avions mangé, mangé et mangé. Tu vois la nourriture que nous mangeons avec les mains. Et celle que nous avons l'habitude de manger avec la cuillère. Tu te rappelles, non? Crois-moi, je te jure que nous avons mangé énormément. Nous avons beaucoup Es-tu mangé. Sérieux? Tu as beaucoup raté. Dois-je te croire? Non, dis-moi, dois-je te croire? Laisse-moi te dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rencontré des très belles femmes. Très, très belles femmes. Es-tu sérieux? Je te dis la vérité. Et je ne veux plus continuer à te déranger. Oui. Oh, écoute, allons doucement. Tout ce que tu prononces comme blablabla, tu le feras. Et quoi alors? On se connaît très bien. Qu'est-ce que tu crois? Et quoi alors? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Tout ce que tu sais, c'est pas. Oh, pardon, s'il te plaît. Ada, Ada. Une fille très belle. Ada, Ada. Une fille très, très belle.
Ibé, l'homme le plus sage. N'as-tu pas dormi sur la route? Mon ami, tu m'oublies. Parce que c'est si tôt de te voir déjà ici sous l'œil. Mais je te demande, hein? Tu crois que ça, c'est ta chambre à coucher? Où tu peux ouvrir tes jambes et te satisfaire toi-même, t'amuser tout bonnement et tu crois que tu peux venir et dire de n'importe quoi? De toutes les façons, je n'ai pas ce temps. Je suis en train de partir là-bas au palais pour voir ma sœur et le roi. Tu peux alors continuer à boire. Personne ne va te déranger. Hein? C'est quoi avec toi? Tu m'as posé la question et maintenant tu craches des bêtises. Si seulement que tu n'étais pas une bonne personne, je te connais. Je connais ta mère, je connais ton père. Si vraiment tu n'étais pas une bonne personne, j'allais vraiment te faire du mal. D'ailleurs, tu t'en vas où comme ça? Tu viens me tourmenter ici avec les bruits inutiles. Tu es venu seulement pour me déranger avec de n'importe quoi. Avec tes deux jambes ici. Tais-toi, je suis en train de parler et tu parles aussi. Je viens bien tu veux t'approcher? Tu veux t'approcher de moi? Je vais te faire du mal. Si c'est moi, tu Regarde-toi, inutile. Tu cherches à voler ma boisson. Heureusement, je connais ton père et ta mère, toute la famille. Sinon, j'allais te faire du mal. Tu vois ce que tu fais? C'est à cause de ce que tu prends. Tu commences à déborder. Tu me trouves assis en train de penser à autre chose et tu viens me tourmenter avec des bruits inutiles. Tu es parti. Inutile. Tu es venu seulement pour m'embrouiller. Regarde-toi, inutile. Oh. Tu cherchais même à partir avec ma boisson. Tu viens seulement pour me déranger. Inutile. Reviens encore me provoquer cette fois-ci. Tu me verras. Laisse-moi d'abord prendre ma boisson pour avoir la force. Naé, regarde les anciens avec ton frère. J'espère que tout va bien. Il n'y a aucun souci. Mais pourquoi venez-vous chez moi? Je fuis du palais à cause de vous. Et vous m'avez suivi jusque chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'ai-je fait de mal? Hein? Mazobi, nous sommes ici pour te voir. Pour me voir? Oui. Je suis désolée si j'avais insulté le roi. Je suis ici pour faire la paix avec tout le monde. Oh, ça c'est étonnant. Il fait vraiment la fée. Oh, tu es une fille gentille. Aussi longtemps qu'il n'y a rien de grave, je ne peux rien garder de mal dans mon cœur. Alors, j'ai accepté ta demande. Aujourd'hui, nous sommes tous contents de vous. Nous devons que nous puissions tous ensemble célébrer. Oh! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non! Je vais confesser! Hey! Je vais confesser! J'ai dit que je vais confesser! Hein? Oui, je l'avais fait. Je l'avais fait avec une cause, pour une raison. Oh, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Oh, oui, vas-y, qu'est-ce dis-nous. Tu as dit que tu vas dire la vérité. Vas-y, nous t'écoutons. Hein? J'ai... Allez, vas-y, parle. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Hey, hey, c'est moi qui ai tué son père. Hey, et sa mère. Hey, parce que j'avais peur qu'il allait occuper le trône. Alors, pour les empêcher d'occuper le trône, je devais les tuer. Celui que nous étions en train d'accuser n'était qu'un innocent. Non. Et pourquoi avais-je fait ça? Ne le touchez pas. Laissez-le. Pourquoi avais-je fait ça? Tu n'es que... Le diable avait touché mon esprit. Hey! Comment ai-je pu me fourrer dans une telle situation? J'ai suspecté qu'il y avait quelque chose avec toutes ces réactions. Oui. Et il s'opposait toujours à tout. Oui. Et d'ailleurs, tu l'avais Naé. Dit. Hey, pourquoi tu fais ça? À cause de l'avarice. Ah. Hein? Non. Pourquoi ai-je cherché d'arrêter celui que les dieux ont choisi? Ah. Les anciens. Ça, c'est une manipulation. Il n'a rien fait. Tu appelles ça de la manipulation? On l'a manipulé. La manipulation. Il n'a rien fait. Tu crois que c'est de la manipulation? Et
avions mal agi envers un garçon innocent. Telle était ma conviction tous ces temps. Finalement, je suis très contente. Les dieux ont répondu à ma prière. S'il vous plaît, trouvez une place dans vos cœurs pour me pardonner. Tu es très méchant. S'il vous plaît, je n'ai pas d'autre choix que de vous demander de me pardonner. Et tu oses aussi ouvrir ta bouche pour parler. Ichobi, Ichobi, tu veux dire quoi? Ta vie est entre les mains des dieux. Tu vas mourir. Tu es vraiment méchant. S'il te plaît. Un homme méchant. Calme-toi. Laissez-le mourir, un homme méchant. Comment est-ce que tu as pu agir? Tu mérites la mort. Tu es très méchant. Je l'avais remarqué. Et j'avais remarqué quelque chose de suspect avec ses réactions concernant la mort de ses deux parents. Les dieux sont sages. Laissons-le. C'est eux qui l'ont permis. Dégageons. Laissons-le seul. C'est ton papa. C'est ton papa, faut pas oublier. N'oublie pas. Il faut le faire pour que tu sois sauvé. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Ego, ego neme. Ego, ego, ego. Attention, money na so, it dey wash poverty comot yo. Ego, ego, money is a defense. When you get money, you go get justice over 90 yo. Ego, money is a defense yo. When you get money, you go get justice over 90 yo. Ego. Money wash your poverty come out. When Ifechi is talking, people they stand attention. Makego merengare. Ego, merengare. Ego.